Ah que coucou les gens, bienvenue pour ce nouvel épisode de Reconstruire sa vie, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo si vous aimez, ou à commenter, j'y répondrai dès que possible. Et en tout cas, ça me ferait très très plaisir. Et n'hésitez pas à me dire le prochain challenge que vous voudrez voir sur la chaîne, hein, comme ça au moins si on peut anticiper avec ça, bah, ce serait nickel. Donc nous, on se retrouve après avoir mis les fenêtres à notre maison. Ah, on avait bien avancé. C'est vrai que ouais, non, c'est vrai que ça avance bien. Je suis très content. Bon, bah, il manque des choses. Mais là, manque de pot, en fait, c'est qu'on est arrivé en week-end, vous savez. Du coup, bon, bah, écoutez, on va essayer de maintenir notre petit... j'oublie, Harry, en hausse pour son travail. Parce que regardez, on avait eu donc la dernière compétence de mixologie. Donc, je suis très, très content. Mais maintenant, il faut survivre jusqu'à vendredi. Parce que vous voyez que bah, on a eu bah, on a 3 jours de vacances. Ah ça c'est ballot, j'ai confondu. Bah même elle a 3 jours. Mince. Mince, 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 les gens. Comment on va faire? Bah déjà on va aller laver le bébé. Parce que sinon ça va pas le faire. Ensuite. On va essayer de faire ses devoirs. Hop. C'est beaucoup trop. Il est trop tendu, mince. Il est trop tendu. Bah écoute, viens de te détendre. Mais j'ai pas le truc, on dirait. Non, bon, en fait, il va dormir direct, le petit. Bon, ben. Hop, il va utiliser les toilettes, lui. Ah, il peut pas, c'est vrai. Il y avait l'enfant. Je suis bête! J'y ai pas pensé. Quoique, non, ça l'embête pas, en fait. Bon, c'est nickel, ça l'embête pas. Eh, les amis, franchement. Tu viens nettoyer ça, s'il te plaît. Et ça. Tac-tac-tac. Papa Capi. C'est vrai qu'il faut vraiment que j'arrive à faire les chambres. Parce que là, ils dorment dehors, les pauvres, depuis très très longtemps maintenant. C'est pas bien. C'est pas bien du tout. Alors, viens nettoyer, s'il te plaît, le levier. C'est vrai que même en termes de meubles et tout, je pense que j'essaierai, mais une fois que la maison sera terminée, on va pas faire ça de suite. Hein. Pour l'instant, notre vie, elle se reconstruit bien. Hein. Bah, c'est un challenge en fait que. Bah, je sais pas, c'est pas insurmontable en fait. Mais c'est pour ça, si vous en avez d'autres, même des plus compliqués ou quoi, bah n'hésitez pas. Franchement, ça me ferait très très plaisir. Alors, lui, on va vaporiser sous le lit, on va s'occuper un peu aujourd'hui des enfants. Allez, on va mettre James au lit. Et on va essayer de lui raconter. Oh non, on va juste le bercer. On va vaporiser sous le lit. Voilà, comme ça c'est fait. On va le reborder. Voilà. Par contre, je crois qu'elle a très très faim. Tiens, viens manger. Voilà. Non, fais pas ça. Viens pas salir à la maison. Prends une portion, s'il te plaît. Et Harry, c'est pareil, viens prendre une portion. Voilà. Non, mais c'est qu'on rigole pas avec les enfants, hein, parce qu'il suffit d'un oubli et elle repart à la case départ. Donc, elle, c'était 8 jours, je crois. Non, 6 jours. C'est vrai. Donc, elle grandit dans 6 jours. J'espère qu'on va y arriver vite. Qu'elle se débrouille un peu toute seule. Alors nous ce qu'on va faire c'est qu'on va servir le dîner, on va faire un gratin encore une fois. Franchement je regrette pas là mon hall d'entrée ici. Je pense que même la bibliothèque je la referai. Arrête la cuisine. Tu vois dis donc, cette fois-ci on va la gronder. Si j'arrive à trouver... Bah mince alors, pourquoi j'arrive pas à trouver? Éducation, voilà.
Mais non, c'est pas ça. La 6, discipliner le comportement. Ferme. Dire de ne pas mettre le bazar. Avec un peu de chance, elle va arrêter. Allez, le petit papa. Montre-nous. Harry peut désormais satisfaire des besoins de ses enfants de manière plus efficace. D'accord. Donc on va ranger. Ok, tu peux aller dormir, mon petit père. Ok, tout le monde est en train de dormir. Attendez, je regarde les besoins. Ouais, vert. Ouais. Lui, la faim, le divertissement, vessie. Bah, elle va se lever. On va commencer par la vessie. Je crois qu'elle peut pas reprendre elle, le plat parce qu'elle n'a pas les compétences nécessaires. Voilà. Un petit tour aux toilettes. Donc là, on va ouvrir. Elle va prendre une portion de je ne sais plus quoi. C'est vrai que dans les Sims 4, ça change parce que, en fait, quoique au début de mes let's play, je crois que je mangeais que des salades hein, dedans. Oups, pardon. Mais c'est vrai que dans Sims 3, je faisais que des salades. Sims 2, ça, je sais plus ce que je faisais dans les Sims 2, ça remonte à trop loin maintenant. Ouais, je peux pas avec l'éducation pour elle. Les parents dorment trop. Je n'ai que 103 $. C'est con. Voilà. Bah oui, mais je vous l'avais dit, moi, il faut faire le ménage dans cette maison au tabarnak. Nettoyez-moi cette noix, les gouttes, le gâté et cette assiette. Oh là là. Elle en fait de la merde. Hein. Normalement, je pense que là, j'ai la possibilité de la couche. Lire le livre pour Bambin. Ah, peut-être que je peux lui lire un livre. Mais je voulais lui changer la couche en fait. Mais je crois pas que je peux avec elle. Elle me semble. Si, je lui ai changé la couche. Voilà. Elle a besoin de quoi la petite? Est-ce qu'on va lui lire une histoire? Allez, on va aller lui lire une histoire. Voilà. Comme ça, on s'en occupe un petit peu de la petite. Ah, c'est vrai, hein, je l'ai un peu négligé. Ah. Ah bah oui, c'est l'heure de l'école. On n'est pas dans la merde. J'avais pas vu. Donc nous sommes jeudi. Envoyer les boulettes de papier. Se concentrer sur les cours. En fait, les cours s'avèrent très intéressants. Peut-être que Marie va prendre goût au fait d'apprendre des choses finalement. Gain de performance petit. Ouais, donc là, nous atteignons la compétence de mixologue niveau 3. Donc, oui, c'était ça que j'étais parti pour la faire dans l'autre épisode, il me semble. Donc, c'est ce que nous allons faire là avec elle en attendant le travail de demain. Parce que moi, j'attends la promotion de notre petit Harry. Enfin, petit. Hein, David dit, hein, il est grand. Alors, mixologue à la cuisine. Ça, c'est le volume 3. Je crois que c'est Harry qui a le volume 4. Attendez. Pas le volume 1. Voilà. Allez, on va le lire, ma petite. Il faut que je le lise si je vais avoir aussi une promotion, mec. En fait, si j'arrive à avoir les doubles promotions, là, les amis, ça va être la fête du slip. Désolé de le dire ainsi, mais c'est clair qu'on va pouvoir s'offrir le reste des murs, logiquement. Du coup, ça fera super zizir. Par contre, j'ai pas pu... préparer ça, donc on va nettoyer et ensuite il ira aux toilettes. T'as pas oublié? Il a mis où son assiette? Attendez, il s'est rechargé en pyjama pour se remettre en pyjama. J'ai pas tout compris, mais j'ai tout compris. Ouais, bah, space le gars. Il est vraiment space, mon petit Harry. En même temps, c'est pas pour rien qu'il dort avec une combinaison alien. Ah non, Emilien! Encore une fuite. Oh non! Ouais, je vais avoir du boulot, moi. Je dois me préparer pour ma promotion, tu parles. Ah oui, ah dis donc, je vais chercher les pièces et les revendre, comme tu as dit. C'est vrai que j'avais pas pensé à ça, du coup, on va essayer de se faire un peu de Simflouz. Ouais, James encore... donc ça me ferait des points en plus, hein, je tiens à le redire. Qui nettoie. Et... Ah. Donc, logiquement, attendez. Les pièces, c'est ça. Donc, j'en ai 14. Est-ce
Attendez, si je les place dans le monde après ça. Donc je les place dans le monde. Bah alors tu les places dans le monde mon petit coco? Voilà. Donc c'est à vendre. Ok, attendez. Donc là c'est mettre dans l'inventaire. Est-ce que je peux les mettre dans l'inventaire Comment je peux les vendre? Est-ce que je dois les placer dans le monde? Non, d'abord je fais ça, un petit test. Ouais, Dissimflouz. C'est pas trop grave, on va le faire. Quoique, attendez. Mettre dans l'inventaire. Je vais d'abord améliorer mon toilette. Hélène a très faim, mince. Mais elle a toujours faim en fait. voilà, viens chercher ma petite Hélène. Je vais refaire un peu de cuisine après parce que là. Alors toi tu es tendu, je crois. Bah non, bah ouais, pourquoi t'es tendu? Viens là. Voilà, viens te détendre en regardant la télé. Sinon, ma petite, je t'avais mis une assiette, mais bon, c'est pas grave aussi. Bon, j'espère sincèrement qu'il va moins fuir le toilette maintenant. Bah le chial. Nettoyage du restaurant, Marie. Ce restaurant est propre, qu'elle peut voir son reflet dans les surfaces des tables. On va le nettoyer. La série est pleine de morceaux d'inattendus et empeste le billet lourd en boîte. Marie jette son torchon à la poubelle et le frotte ses mains. Bah c'est pas grave. Elle s'est chopée un truc d'oignon. Elle est vraiment dans le rouge hein. Toi aussi t'es vraiment dans le rouge mon petit. Mon petit James. Alors là il y a de la nourriture périmée. Oh, un petit bisou comme ça, tranquille. Et donc là, on va cuisiner encore, les amis. On va se faire... des macaronis au fromage familial, s'il vous plaît. Parce que là, la petite famille... La petite famille va en avoir besoin. Compétences au niveau 6. Donc là on est au soir, 21h. Ouais, cool, demain il travaille. Donc est-ce qu'elle a fait la lecture? T'as mis où mon petit livre toi? Eh, viens relire là. C'est vrai que je l'ai complètement oublié là. Depuis tout à l'heure elle fait ce qu'elle veut, mais là c'est fini. Allez, si tu peux m'apprendre ça la nuit là, ce serait tip top les amis. Je sais pas ce que vous en pensez vous, mais moi ce serait tip top parce que bah, ça veut dire que on aurait double promotion. Quoique, on l'aurait pas tout de suite. Parce qu'il faut que la barre arrive au vert, mais bon. En tout cas, pour le père, c'est sûr qu'on peut l'avoir. Allez, viens reprendre. Allez. Dans le salon maintenant, elle va. Allez, on y est presque. On y est presque. James, tu pues. Va te laver. Tu sais pas quoi faire, Harry Potter? Bah viens. Bah viens pas pour l'instant rien faire. Parce que... C'est bon, elle a eu son point, elle. Elle a eu son point. Voilà. Bah à ton tour, tiens, tu vas cuisiner quelque chose, comme ça on aura des réserves. Ouais, quoi que non, on va d'abord finir ce qu'on a commencé. Ça sera mieux. Donc là, je mets en petite vitesse rapide. Eh les amis, il faut dormir. Attendez, ils vont d'abord faire crac crac. Ça va leur faire du bien. Voilà. Par contre, toi tu pues. Ce serait bien aussi que tu ailles prendre un bain, ma petite. T'es pas fatigué toi? Fais dodo, tu feras pipi demain. Je crois qu'il revient un bébé. Mais qu'est-ce qui se passe? Mais non, il n'y a pas. Regarde, je vais venir vaporiser sous le lit. Voilà, il n'y a rien. Ok.
Allez, demain on travaille, hein. C'est pas tout ça, nous. Le pauvre. Voilà, tu peux dormir maintenant. Vivement qu'il ait une chambre. Tiens, d'ailleurs, il grandit quand, lui? James Walton, dans 21 jours. Ça va, on est bien. Bon, tout, il va y avoir une file d'attente aux toilettes, mais bon, c'est pas trop grave. Hop, allez dans l'eau. Depuis le temps, je l'avais déjà fait faire un bain, hein, mais il reste pas dedans, vous voyez? Et là, il a sommeil, et en plus, il y a bientôt école. Bah, il est dans la merde. Hein. Moi, je vous le dis tout de suite, il est dans la merde. On est vendredi, c'est peut-être la première fois qu'il va rater l'école. Moi, je dis ça, je dis rien. Ok. Je le prépare pour le bus. Alors, toi, tu peux venir, voilà, prendre un bain. Maintenant. Alors, est-ce que mon Harry, lui, il est bon? Il est même très bon. Par contre, ouais, je vais recuisiner, donc on va ouvrir le frigo, s'il vous plaît, parce que là, il va manger quand même. Et il va se prendre une petite portion. Ben oui, mais toi, tu l'as mis par terre, mais tu le manges maintenant? C'est de la brade ce que tu me fais. Ah bah voilà, ils sont tout seuls à la maison. Enfin. Enfin les amis. What the fuck? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Mais comment elle peut mourir? Elle était même pas dans... What the fuck man? J'en ai besoin pour ma série moi. Ils me font peur. Ah oui, d'un coup j'ai peur là. Bon, tout le monde est dans le vert. Moi pour moi c'est good là. Moi je dis on est vraiment pour faire cette promotion les amis. Donc double promotion, j'espère sincèrement qu'on les aura. Mais au pire c'est pas trop grave, on l'aura dans le prochain épisode pour l'esprit de Samuel est en train de se disparaître. Non mais ils me font peur là avec leur esprit. C'est vrai ça? Ah la petite Hélène. À la fin! Hélène! Tu as très faim! Je suis vraiment désolé, je t'avais oublié. Oh là là. Je le mets ici. C'est cadeau, hein. Faut pas que tu fasses d'efforts. Allez. Prends une portion. Voilà. On peut le ranger. C'est bon, c'est bon. Le bébé est sauvé. Vous avez vu, à son âge, elle doit gérer tout toute seule. La pauvre. Allez. Ils font une petite sieste. Bien mérité. Voilà. Le travail commence dans 1 heure. Et pourquoi moi, il travaille pas dans 1 heure? Je le travaille dans 1 heure, alors qu'est-ce que c'est que ça? Voilà. Donc, Harry part travailler. Ah oui, elle, ça a 18 h. C'est bien, elle va pouvoir faire un peu la vaisselle. Nettoyer ça aussi. Nourriture gâtée. Nettoyer. Elle nettoie tout. Bah alors, on dirait qu'elle est buggy. L'esprit de Jérôme est en train de disparaître. Non, mais vas-y, je sais pas ce que vous essayez de faire, dénoncer le collège. Ok. Il fait partie des meilleurs élèves de la... Bah mais c'est que j'ai pas pu lui faire ses devoirs là, il est mort hein, mon petit James. Hein. Regardez, il a 3 barres dans le rouge. Et ouais, super déco, hein, Hélène, elle est en train de me redécorer toute la maison. C'est sympa, hein? Ce n'est apparemment pas la première fois que l'argent manque. Ok. Alors, c'en est où pour lui justement la promotion? Pour l'instant, on excelle. Il est tendu, donc j'espère que ça va pas jouer en sa défaveur. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Hein. Au pire, on retentera dans une prochaine vidéo. Mais je suis très content que ça avance et que là, on puisse reprendre un peu le travail parce que les jours de congé, là... Aïe, ah, le travail commence dans 1 heure pour elle.
Ces besoins, s'il vous plaît, sont dans le vert. Mais toi, puisque je te l'ai dit d'aller prendre un bain, pourquoi tu vas pas le prendre ton bain? T'écoutes rien, t'es une tête de mule. En plus, il est fatigué, il veut pas dormir. Engager le nounou, envoyer à la garderie. Ouais, on envoie à la garderie. Nettoyage du restaurant. Bah, nettoyer. C'est encore une gelée. Bah, je sais pas c'est qui laisse ça, mais il y a quelqu'un qui veut vraiment qu'elle attrape quelque chose, elle. Hein. Alors, James, par contre, là, il est mort. Allez, là, il va. Bah, il s'est endormi dans son bain. Bah, écoute, tu fais les deux comme ça. Tu prends ton bain et tu dors. Tu peux pas faire tes devoirs en même temps? Monsieur, pourquoi le. Pour... Attends, le prof qui arrive. Bon, bah, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ton cahier est plein de d'eau? Je pourrais pas vous expliquer. Donc, Hélène est rentrée de la garderie. Elle est raplapla aussi. La maison est dans un état monstrueux. Pff, non, ça sert à rien que tu nettoies. Hein. Ça sert à rien. Là, sincèrement. Normal. Alors, sélectionner une carrière pour Harry. Donc, soit on devient chef, soit mixologue, les amis. Et ben, nous, on va rester sur la carrière de chef pour lui. Voilà, promu au poste de traiteur en chef. Harry était promu traiteur en chef. Il gagnera désormais 9 dollars de 9 simflouz de plus par heure, soit 52 simflouz de l'heure au total. Il a également reçu un bonus de 691 simflouz, porte-couteau magnétique. Sa prochaine journée de travail commence samedi à 15 h. Alors là, on a eu une grosse somme, vous pouvez voir. 1275 simflouz. Et normalement, si je regarde dans l'inventaire, voilà, on a ça que je vais revendre. Ce qui me fait 500 simflouz en plus, les amis. Eh, franchement, elle est pas belle la vie. Et je vais attendre le retour donc de ma. Quand je serai adulte. Quand je serai adulte, je veux devenir ninja. Que dois-je faire pour commencer à me préparer? D'accord. Non mais sérieux, je veux être ninja. Alors lui, j'ai l'impression qu'il. Je sais pas ce qu'il a, mais ça va, Harry? C'est là que tu te rends compte, t'as deux Sims qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau, il y a juste la couleur de peau qui change. Vous savez, quelle coïncidence. Puis la coiffure un peu. Qu'est-ce qu'ils ont tous à se mettre accroupis là? What? C'est moi ou ils ont fait un salut en fait? Ok, ils ont fait un salut. Bizarre. Alors lui, il est bizarre de chez bizarre. Toi, tu reviens quand? 2 h du matin? Bon, c'est bientôt, je vais attendre un petit peu. Voilà, il était fatigué. Ouais, non, je suis content. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait atteindre le niveau 2 de la compétence cuisine gastronomique? Pour améliorer utiliser la cuisine pour préparer des repas gastronomiques. D'accord. D'accord. Préparer un repas gastronomique. Voilà. Par contre, la maison aussi, elle est gastronomique là. Alors, hop, dîner à ramener 280 simflouz. J'attendais que ça. Alors là, on passe en mode construction direct, les amis. Je ne veux pas chercher à comprendre. Hein. Alors, normalement, les chambres, j'avais prévu ça. Vous savez? Est-ce que je peux copier la chambre? Non, je ne peux pas la copier malheureusement. Donc on est trois, pour l'instant trois enfants. Donc j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, pour la seconde chambre. Et... Voilà les amis, les chambres sont faites. Je suis très 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 méga content. Quoique. Je vais mettre la. Hop. Ok. Alors là, on a installé les chambres. Attendez, je vais les faire soulever tous. S'il vous plaît, on se lève. Je veux pas le savoir. Allez, plus vite que ça. Je suis une alerte. Chambre du milieu. Chambre de droite. Chambre de gauche. Les lits sont maintenant placés, les amis. Je vais reprendre du coup les fenêtres.
Ouais, je pense qu'on va en rajouter pour eux. Voilà. Alors là, il n'y a pas encore de toit. Mais vous pouvez voir un peu l'extérieur, qu'est-ce que ça donne. Il y a beaucoup de fenêtres. Mais on a une assez grande maison finalement. Et je suis très content d'avoir pu en fait trouver un moyen, vous savez, de faire des chemins, des cheminements différents. Donc là, on peut passer par la droite, on peut passer par la gauche. Donc il y a une porte pour le couloir. Mais on a un couloir qu'on va pouvoir décorer dans le futur. En tout cas, je suis très très content. Et bien les amis, c'est ici que nous allons nous quitter pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis à la semaine prochaine pour la suite. Et surtout, portez-vous bien. Sous-sous.